Soit remercié. Nous avons entendu des bons cantiques, oui. Un très bon témoignage de la part de notre frère. Oui. Bien que son cantique, comme il avait dit, il n'a pas pu bien les chanter parce qu'il n'est pas un chanteur. Mais néanmoins, le thème principal, c'était que même si tu es seul, même si tu marches sur un chemin solitaire, il y a quelqu'un qui ne t'oublie pas. Amen. Il est avec toi, il t'éclaire et il marche toujours avec toi comme nous l'avons appris hier. Amen. Que même si le monde t'abandonne, même si les amis t'abandonnent, mais lui, il est avec toi jusqu'à la consommation du temps. Amen. C'est en lui que nous nous confions. Nous allons chanter un dernier cantique et puis le frère viendra pour nous lire une écriture d'introduction et nous conduire dans la prière. Nous chantons « Dans mon âme, j'ai l'assurance ». Dans mon âme, j'ai l'assurance, ma Jésus, ma délivrée. Thank you.
matin, nous vous saluons tous au nom du Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie d'être dans sa présence. We are happy to be in his presence. Nos frères de Gainesville, la plupart ne seront pas là. Our brother from Gainesville won't be here. Nos frères Jerry. Brother Jerry. Il a appelé toutes les familles qui sont là et puis tout le monde aujourd'hui s'est excusé. He called all the families over there and all of them. Alors, il était déjà prêt pour venir à l'église, mais il n'a pas les moyens de transport. He doesn't have any transportation. J'ai personnellement parlé avec le frère Olivier, la sœur Cathy. I talked with sister Cathy. Et le frère. Crystal et son épouse. And brother Crystal and his wife. Ils ont demandé des prières. They asked for prayers. Les diacres, il faut toujours appeler les frères, les encourager dans les voies du Seigneur. Deacons must call all the brothers. Je pense que c'est ça notre rôle à jouer. That is our role to play. Il faut pas avoir l'esprit quand quelqu'un ne vient pas, on les laisse et puis comme s'il y a quelques personnes qui doivent s'occuper de nos frères. When somebody doesn't come, we don't want les rôles à jouer, ce n'est pas seulement dans l'église. Our role is not only le in big grand rôle, c'est d'ailleurs le dehors. On doit être en contact avec nos frères et soeurs, les encourager dans la foi. In touch with our brothers and sisters, encourage them in et surtout aussi notre frère Timothée qui est là-bas à Gainesville. And brother Timothée is, who is there in il Gainesville. Doit vraiment veiller à nos frères qui sont sur place. You have to watch for our et nous qui sommes aussi de loin, les appeler, les encourager. And all of us who are far from them, et c'est ce qui fait que nous soyons ensemble. That will make us to be one family. Amen. To be together. La marche d'ensemble, c'est comme ça. That's how people walk together. Et nous n'avons pas de raison de ne pas venir à l'église. Now we have no reason. Il y a quelle raison pour venir? There's no reason de ne pas écouter la parole. Not to come to church. Je crois que ce soit. Not listen to the mais dans la vie, le diable nous lance des fois des faiblesses. In life, we have weaknesses. Alors, on a besoin de la chaleur de l'autre. And we need the warmth of others. Quand le frère Joël m'appelle par exemple, frère Olivier, comment je t'ai pas vu? When brother Joël calls me and says, toi tu es notre frère, tu dois être là. Why didn't you come? Nous aimons te voir. C'est là que ça réveille la foi. Et cela me pousse à aimer encore mon frère qui veille sur moi. Alors nous avons la responsabilité de veiller sur les âmes. Dans la parole et dans la présence physique. Over the soul, in the word, ça, ça in the doit vraiment nous pénétrer. This et vous aussi, frères et sœurs, you brothers and sisters, ayez ça en vous. I have that in you. Vous voyez, frère, deux réunions ne viennent pas. You see brothers that ne dites pas non, c'est les problèmes du conducteur ou c'est les problèmes du diacre. Moi, je m'en fous. Non. Chacun de nous est important dans la maison de Dieu. Parce que sans lui, on ne sera pas enlevé. Peut-être qu'il est sur la liste. Maybe he's on alors il faut qu'il arrive à la même connaissance du Fils de l'homme, get to the same knowledge et à la foi parfaite. And the perfect faith. Nous sommes particulièrement honorés de voir notre frère Marcelin au milieu de nous. We are honored to see our brother que Dieu le bénisse richement. God bless him richly. Sa sœur, sa petite sœur, notre sœur Sibelle, j'ai vu les photos sur Facebook. Our sister, elle a gradué et certainement le frère est venu aussi pour ça. Graduated, et que Dieu bénisse toute sa famille. May God bless his entire family. Notre frère Anaclet va nous prêcher encore ce matin. Our brother Anaclet is going to preach. Le week-end prochain, Dieu, si Dieu le veut, il sera à Bloomington. Next weekend, he will be in Bloomington. Et nous aurons aussi l'opportunité de recevoir l'homme de Adelaar. I will have the opportunity to receive brother Adelaar. Il va déjà arriver ce mercredi. He will be here this Wednesday. Et nous serons avec lui vendredi, samedi, dimanche. We will be with him on Friday, Saturday, and Sunday. Dimanche soir, il prend son vol pour Bloomington. And on Sunday, là, il va rejoindre notre frère Anaclet là-bas. Pour revenir ensemble ici mardi. And they will come back here on Tuesday. Que Dieu soit glorifié pour cela. Sans prendre beaucoup de temps, nous allons nous lever. Nous venons ici pour la parole. We come here for the word. Et nous voulons laisser plus de temps à l'écoute de la parole. We want to spend more time listening to the nous word. Allons lire ce que Dieu a accompli pour nous à Golgotha. We're going to read what God fulfilled c'est for ça us. Même le centre de notre prédication. That is the center of our service. Sans Golgotha, nous ne serions pas sauvés. Without Golgotha, we won't be saved. Nous devons remercier Dieu pour son œuvre qu'il a accomplie pour we nous. Need to thank God for his work. C'est là où la réconciliation a été faite. That's where the reconciliation c'est là où le
pardon des péchés a été accordé. That's where the forgiveness. Et si aujourd'hui nous sommes déclarés saints, if we are called saints, c'est à cause de cette œuvre. It's because of that work. Alors nous lisons dans Colossiens au chapitre 2. Colossians chapter 2. Colossiens chapitre 2. Colossians chapter 2. Du verset 13 au verset 17. 13 to 17. Colossiens 2 verset 13. Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. When you were dead in your sins and in your uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Qui croit que c'est par grâce que nous sommes sauvés? Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en les clouant à la croix. Having cancelled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailing it to the cross. Voyez ce qu'il a fait encore. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une nouvelle lune ou de sabbat, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est maintenant en Christ. Amen. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are a shadow of things that were to come. The reality, however, Amen. Is in Christ. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix. Let's raise our voices. Remercier Dieu and thank God de ce qu'il a vaincu le diable. That he overcame the devil. Il a vaincu même son armée. He overcame his Il les a dépouillés à Golgotha. Emptied them in Golgotha. Et aujourd'hui, nous sommes saints. Today we are holy. Même si le monde ne nous connaît pas. Even if the world does la preuve allait que le monde ne l'avait pas connu. The evidence is Mais nous nous croyons maintenant. We believe now. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Qui croit ça? Amen. Nous sommes enfants de Dieu. We are children Mais regardez pas vos faiblesses. Now look at your weaknesses. Ou au témoignage des hommes. All the testimonies regardez à celui qui a commencé cette évangile. Look at he who started his work. Il a dit dans sa parole. He said in his word. Comme celui qui l'a commencé. As he started it. Il va l'achever. He is going to complete it. Amen. Amen. Disons-lui tout. Say everything to him. Ne lui cacher rien. I tell him everything. Do not hide toutes nos faiblesses, all our weaknesses, toutes nos maladies, all our sicknesses. Lui les a déjà portés à Golgotha. He put them on. Alors quand il nous regarde, il voit déjà l'œuvre achevée. Yeah. When he look at us, he see its work being complete. Le témoignage des hommes. The testimonies ça of man change. May change. Vous pouvez avec, être avec un bon ami. You may be with a good le friend. Fait que vous êtes avec lui, il voit rien de lui. The fact that you are Mais with him, vous lui direz ami. The day you tell je m'excuse, je ne souhaite plus. I'm sorry, I don't want je to. Veux maintenant me consacrer pour le Seigneur. I'm going to là tu réveilles les vieux hommes. Now you become le témoignage change. The testimony il est mauvais, elle est mauvaise. Ça sont les hommes. Those are what Mais Dieu, say. Le fait qu'il t'a appelé à sa vocation, the fact that he quand called il te voit, il te voit saint. When he see you, et son he témoignage ne changera pas. And his testimony will not change. Parce qu'il a conçu son plan Because he conceived avant la fondation du monde. Before the creation et of the il world, sait parfaitement he know perfectly ce qui sont à lui. Those who are Moi, je suis à lui. Amen. Je lui appartiens. I belong to him. Si tu es du centre missionnaire Stelvi, c'est ton problème. Now, Moi, je suis à lui. Je ne suis pas un homme. Je ne m'appartiens pas à Franck, ni à Branham. Moi, j'appartiens au Seigneur Jésus. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons prier le Seigneur. We are going to pray the Lord. Et à la fin, notre frère Anaclet lui-même viendra pour prier ensemble avec nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Pour ce qu'il a fait pour nous à Golgotha. Dieu, notre Père Céleste, nous te louons et te glorifions, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes ta présence. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha, Seigneur.
Oh Seigneur, c'est là où la réconciliation est faite. C'est là où tu nous as donné la paix en Christ. Oh Dieu du ciel, nous te louons. Nous voulons te consacrer ce moment, oh Dieu. Appelez que ce moment soit consacré seulement à toi, Seigneur. Oh Dieu du ciel, bénis-nous. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner à toi. Nous voulons, oh Dieu, que ta parole soit notre parole, soit même notre vie. Oh Dieu, conduis dans la voie de l'éternité. Manifeste en puissance ta grandeur avec nous, Seigneur. Oh Dieu du ciel, nous voulons venir écouter tes paroles, Seigneur, car nous sommes ton peuple. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous n'appartenons pas à un homme, mais c'est toi qui es mort pour nous à Golgotha. Tu as porté nos péchés, nos difficultés, Seigneur, nos souffrances, nos iniquités, et tu nous as rendus libres en Jésus-Christ. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions du fait que tu nous as envoyé Élie le prophète avec un message prophétique. Pour nous ramener, oh Seigneur, à la foi des apôtres, ton Père apostolique. Nous te disons merci, Père, pour cet homme de Wang Frank, que tu as donné le mandat pour la distribution de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ton œuvre, pour tous les ministres, Seigneur, qui vont gauche-droite, qui vont gauche-droite, pour proclamer le même évangile avec puissance. Bénis-nous, Seigneur. Circoncis-nous, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Oh Dieu, bénis-nous, Seigneur, bénis cette réunion. Nous voulons être à toi, Seigneur. Nous voulons être à toi, t'appartenir, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merveilleux Père Céleste. Oh, wonderful Heavenly Father. Nous venons à toi ce matin avec reconnaissance. We come before you this morning with thanksgiving. Et nous savons que dès ce matin, nos bontés se sont renouvelées pour nous. Amen. Your goodness to be renewed for us. Tes grâces promises à David. Your grace promised to David. Tes faveurs. Your favors. Que tu nous as donné par la résurrection de Jésus. That you gave us through the resurrection of Jesus Christ. Seigneur, nous voulons être prêts pour le jour du retour de Jésus. We want to be ready for the day of the Lord's coming. C'est pour cela que nous sommes ici réunis. That's why we are assemblés here gathered, pour écouter les paroles de ta bouche, to hear the word from your mouth, car nous savons que tes paroles seules sont esprit et vie. We know that your words alone are life. And nous a envoyé ce message qui est le dernier. Oh, you have sent us this message which is the last. Tu as ouvert nos yeux, nos oreilles, nos cœurs. You open our eyes, our hearts, our ears. Nous avons reconnu le jour et ce que tu fais. We have recognized the day and what you are doing. Mais tu as dit, tous seront enseignés de toi. Amen. Amen. Nous voulons donc que toi seul prenne en charge chacun de nous. We want you to take care of us. Que tu accordes à chacun des expériences originales. To give everyone to have true experiences with you. Toi qui nous as appelés, c'est à la communion de ton Fils Jésus-Christ. You called us to the fellowship of your Son Jesus Christ. Donne à chacun d'avoir une relation personnelle. Amen. Amen. Allow everyone to have a personal relationship with you. Tous les signes s'accomplissant montrent que le retour de Christ est imminent. All the signs that are being fulfilled are showing that your coming is imminent. Que ton esprit produise en nous cet empressement. And let your spirit produce in us this readiness. À nous mettre en ordre avec toi, avec ta parole. So we can be in order with you and your word. Vivre par toi. To live through you and for you. Mourir à nous-mêmes. To die to ourselves. Seigneur, nous prions. Lord, we pray. Tu as dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et son Fils. You said, all those who are led by the Spirit of God are children of God. Il a dit l'esprit de vérité quand il viendra il vous conduira dans toute la vérité. You say the spirit of the truth when he comes he lead you in all truth. Révèle-toi, manifeste-toi à chacun de nous. Reveal yourself and manifest yourself in c'est each toi, one of us. Le sauveur, le you rédempteur. Are the Savior, the Redeemer. Et c'est toi le puissant médecin and you qui are nous guérit de toute maladie. The powerful physician who heals us from all our sickness. Apprends-nous à nous appuyer totalement sur toi. Teach us to learn to trust. To trust in you completely. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Thank you for the blood of the new covenant. Merci de nous avoir révélé ton glorieux nom. Thank you for revealing your glorious name to us.
Ainsi soit avec nous. Be with us, therefore. Que nous soyons lavés dans le sang de l'agneau. So in the blood of the lamb. Purifiés, sanctifiés profondément dans le sang de ta parole. In the washing of your word. Que ce jour-là, qu'aucun de nous ne puisse rester en arrière. So that, no. That day, no, none of us can stay behind. Aide-nous à être trouvés prêts. Help us to be found ready. Que cette réunion serve à cela, Seigneur. Let this meeting serve for that purpose. Nous sommes assemblés pour devenir meilleurs. Now we are gathered to become better. Et celui qui est suffisant pour cela, c'est toi. You are enough for us to. Les bienfaits que c'est que toi tu fais. Only, oui. It's only. Good, it's only what you do. Nous voici devant ta face. We are before you. Reçois tout ce qui te revient de plein droit. I receive everything that belongs to you from each one of us. Et glorifie ton nom que nous invoquons. And glorify your name that we call. Donne à chacun selon son besoin. And give to each one according to their needs. Tu nous as pas conduit ici pour que nous rentrions tel que nous sommes venus. You did not lead us here to go back the way we came in. Parle au cœur, Seigneur. Speak to the heart, Lord. Que l'onction qui enseigne toutes choses repose sur nous. Let the anointing that teaches all things stand, lay on each one of us. Te le demandons, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. We ask you in the name of the Lord Jesus Christ. Notre Sauveur. Our Savior. Amen. 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 Glory to God. Please sit down. Frères et sœurs, nous vous saluons aussi ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Brothers and sisters, we greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Christ. Every day that passes by draws us near the coming of the Lord. Nous avons lu la parole, une parole très importante. We read a very important word. C'est le noyau même du message. That is the center of our message. Le noyau de l'évangile éternel. And the crux of the eternal gospel. L'Écriture dit. The Scripture says. Vous qui étiez morts par vos offenses. You who were dead by your sins, your trespasses. Paul ne cesse de revenir à cela. Paul doesn't stop coming back to it. On ne peut pas vivre avec Christ si on n'est pas mort au vieil homme. No one can live with Christ if, unless they die. La chose la plus importante que Dieu vise. The most important things that God is targeting. C'est conduire à la gloire des fils et des filles. Is to lead in glory sons and daughters. Amen. Ce ne sont pas des religieux. Not the religious people. Non, ce sont des fils et des filles à l'image de Jésus-Christ. Sons and daughters to the image of Jesus Christ. Jésus a dit. Jesus said. Je suis la vie. I am the life. Je suis la vérité. I am the truth. Je suis le chemin. I am the way. Nul ne vient au Père que par moi. No one comes to the Father except through me. Et 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthians 5. Que Dieu nous accorde de laisser pénétrer de ses paroles au plus profond de nous. Allow this word to penetrate deep in us. Et que chacun de nous ait cette pensée. So that each one of us can have this in mind. Comme il est écrit dans Ésaïe 55. As it is written in Isaiah 55. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retournera jamais à vide. Now the word that comes out sans of the God's mouth will never go back void. Sans avoir accompli ses desseins. Without fulfilling his purposes. Sans avoir exécuté sa volonté. Without doing his will. Sa volonté, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. His will is that whoever sees the Son and believes in him. Qu'il vive éternellement. Amen. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthians 5. On dit au verset 14. Verse 14. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Amen. Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. He died for all, and that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Le Seigneur a mis l'accent directement sur la nécessité que chacun soit né de nouveau. And the Lord has emphasized that each one should be born again. C'était sa première prédication. On ne le dira jamais assez. That was his first sermon. On ne le répétera jamais assez. I will never stop saying this. Si nous lisons Jean chapitre l'Évangile de Jean. Let's go to the Gospel of John. Au chapitre 2. Chapter 2.
Jean chapitre 2. John chapter 2. Il est dit à partir du premier verset. From verse 1. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Or, il y avait là 6 vases de bière destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Amen. Et puis, puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Cette histoire, this story, beaucoup ne font pas attention. Mais a lot of people do not pay attention to it. Le Seigneur est venu dans un but. The Lord came for a purpose. Et là, il est invité au festin de noces. Here he is invited to a wedding. La mère de Jésus l'aborde parce que le vin, the mother of Jesus came to était épuisé. Because he did not have any wine. Et Jésus lui dit, femme. And Jesus said, woman. Quelqu'un pourrait dire, ce jeune homme est impoli. Somebody may say, this young man is rude. Mais Jésus était la semence de la femme. But Jesus was the seed of the woman. La Bible dit mère de Jésus. The Bible says mother of Jesus. Il s'adresse à sa mère en disant femme. But he's talking to his mother by saying woman. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. God does everything good in his time. Il dit femme. He said woman. Mon heure n'est pas encore là. My hour is yet to come. Mais sa mère se retourna vers le serviteur. His mother turned to his servant, et his disciples, and told them, faites tout ce qu'il vous dit. Amen. Do whatever he tells you. Quand on croit Dieu, on doit lui obéir. And when you believe God, you have to obey him. Dieu ne traite qu'avec le croyant. And God deals only with believers. Et là où il y a la foi, where il y a l'obéissance. There is obedience. Amen. Vous savez que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. You know, God give the Holy Spirit to those who obey him. Faites ce qu'il vous dira. I'll do whatever he tells you. Et ils avaient bien entendu, ils ont retenu. And they heard this clearly and kept it. Et il y avait un problème. And there was a problem. Plus de vin, alors que la les gens sont encore à la fête, ils doivent boire but du vin. People were still there, had to drink some wine. Et le vin manque. And there's no wine. Et ils entendent le maître leur dire. And the master told them, remplissez ces vases. I'll fill up these jars. Remplissez-les d'eau. I'll fill them with water. Les serviteurs savaient. The servants knew que ces vases nous les avons remplis d'eau. That these jars were filled with water, not wine. Ce dont les convives avaient besoin, c'était de vin, pas d'eau. What the guests needed was wine, not water. Et puis après qu'ils aient rempli les vases, now after they filled the jars, le Seigneur dit, the Lord said, sans transition, or without any transition, puisez et amenez à l'ordonnateur. And draw some water and take it to the master of the ceremony. Quand ils amènent l'eau, when they brought water, ils n'ont pas puisé du vin, ils ont puisé de l'eau. They now draw wine, and they draw water. Puisez, amenez à l'ordonnateur. And to draw some water, filled it with water, and
took it to take it to the master of the ceremony. Il ne commentait pas, il n'expliquait pas, ils étaient bouche bée. They did not explain. They just obey what the Lord told them. Beaucoup de gens discutent, expliquent, argue, explain. Vous parlez trop, vous vous faites du mal. And if you speak a lot, you hurt yourself. Quand Dieu a parlé, vous taisez-vous. When gloire à Dieu. Faites seulement ce qu'il vous ordonne. Yeah. Just do whatever is ce qu'il nous ordonne ce matin, what is commanding us c'est que quiconque s'approche de Dieu croit que Dieu est vivant. Draws near God must believe that God. Et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. And that he is the rewarder of all those who seek. Sans parler, ils ont amené de l'eau. Without talking, parce qu'ils savaient que c'est de l'eau. They brought some water. Mais they knew that was water. La recommandation était faites tout ce qu'il vous dira. But the recommendation was do whatever he nous asked avons, you to do. Il nous a commandé de remplir. Nous avons rempli. And he asked us to fill this jar that we did. Maintenant, il nous dit, now he's telling us, puisez amener à l'ordonnateur. Draw the water on ne discute pas, on puise. With the master. Amen. Mais l'ordonnateur lui ne savait pas. But the master of the ceremony. Ce qui s'était passé. What had happened? Et ce qui s'est passé. And what happened? Lui il attendait du vin. He was expecting some water. Mais le serviteur lui amène de l'eau. But the servant brought him some water. Et lui sans réfléchir. Without thinking, he just tasted. Et quand il goûte. When he tasted. C'était le meilleur vin. It was the best wine. Qu'il pouvait connaître. That he ever known. Et tout de suite un reproche. Comment on peut garder then, un bon vin said, et servir le mauvais et puis one. Donner le bon après que les gens se sont enivrés du mauvais. And give this good one after everybody has got drunken with the bad one. Il y a ici l'histoire du vieil homme. There is the story of our old self et de l'homme nouveau. Amen. Savez, on ne met pas du vieux vin du you cannot put du vin dans des vieilles soutes. You cannot put a new wine in old wine skin. Quand nous allons directement au chapitre 3, when we go to chapter 3, il y a eu un homme, there was a man, Nicodème. Nicodemus. Il avait observé le Seigneur, observed the miracles, he saw all the miracles and things that had happened. Mais comme il était docteur de la loi, since he was a teacher of the law, tous se méfiaient de Jésus. All of them were, they did not get closer to Jesus. Mais, dans les synagogues, in the synagogues, ils parlaient de la venue du Messie. They were talking about the coming of the ils Messiah. Ils lisaient dans la loi. They will read in the ils law. Ils lisaient dans le psaume. They will read in the psaume. Ils lisaient dans les prophètes. They will read in the prophets. Annonçant que le Messie doit venir. Proclaiming that the Messiah would come. Mais quand le Messie vint, when the Messiah came, ils le reconnurent au point. They did not know him. Bien-aimé, Dieu a un plan. Beloved, God has a plan. Et il avait déjà annoncé à Abraham. And he proclaimed to Abraham. Le salut, c'est pas seulement pour les Juifs. The salvation is not only for the Jews. Il lui avait déjà dit toutes les familles de la terre. He told him all the people on earth seront bénis en toi. Will be blessed through you. Amen. Et déjà au jardin d'Eden, in the garden of Eden, cela a été révélé à Moïse. It was revealed to Moses. Comment Abraham et Adam est allé chercher une solution? Adam went to seek for a solution. Après qu'ils aient péché. After they sinned. Et puis le Seigneur vient chercher Adam. And the Lord came to sought Adam. Il constate. Adam. Il constate. And he noticed. Et Adam lui-même le proclame. And Adam said this. Nous avons mangé, nous sommes nus. Oh, we have eaten and we are naked. Et le Seigneur tue des agneaux. And the Lord killed le sang coule. And the blood was shed. Le premier à répandre le sang sur la terre, c'est le Seigneur lui-même. And the first one to shed the blood on earth was dans the Lord quel but? Himself. For what? Il faut pas qu'Adam et Ève restent nus. Adam and Eve must not remain naked. Il faut qu'ils soient habillés. They must be clothed. Et le sang a coulé. And the blood was shed. Et des peaux, le Seigneur a fait des ceintures. And des from the skins, the Lord made pour Adam et Eve. Clothing for Adam and Eve. Ainsi, chacun de nous doit comprendre. Each one of us have to understand. Avant ça, before this, il a dit pourquoi as-tu fait cela? He asked them why did you do this? Ah, la femme que tu es, pourquoi? La femme, the wife that la you give me, dit, le and the wife said, the serpent seduced me. Et quand le Seigneur s'adresse au serpent, when the Lord talked to the serpent, c'est pour lui dire, to tell him, tu seras maudit. You'll be cursed. Et ce serpent là a été maudit. And that serpent was cursed. En quoi consiste la malédiction? What was that curse about? Tu mangeras de la poussière de la terre. You will eat from tu the dust.
you are going to crawl. Parce que ce serpent était debout. And because the serpent was standing. Nous vivons au temps de la fin où le sceau. We are living at the end time when the seals. Qui fermait, qui scellait le livre. Which sealed the scroll or ont the book. Été ouverts. Were opened. Toute la vérité de Dieu doit être connue de son peuple. The entire truth of God must be known from his people. Si tu dois comprendre. If you have to understand. Pourquoi? Why? La rédemption consiste a redemption is en about, que le sang soit répandu. Is about the blood being shed. Il faut remonter au commencement. You have to go back from. Comment la chute a-t-elle eu lieu? How the fall took place? C'était dans la chair et le sang. It was in the blood and flesh. C'est pourquoi quand Dieu constate le sang coule. Now what, that's why when God noticed the blood has to be shed. Montrant ainsi, showing that qu'il y aura un agneau, that there will be a lamb qui devra répandre son sang. Who will shed his blood? Pour que les dégâts soient réparés. So that the damage can be fixed. Pour que Dieu rachète l'homme. So that Amen. God can redeem a lost man. Ainsi il dit au serpent. And therefore he said to the serpent. Je mettrai inimitié entre toi. I'll put enmity between entre you. Between entre toi et la femme. Between you and the woman. Entre sa semence et ta semence. Or because he, between his seed Dieu and yours. C'est Dieu qui a mis cette inimitié. It's God who put that enmity. Et on comprend tout de suite qu'il y a deux semences sur la terre. And we understand right away that there are two seeds on earth. L'une semence du serpent. One is the seed of the serpent. L'autre semence de Dieu. The other one is the seed of God. Par Adam. Through Adam. Et les caractéristiques sont manifestées. And the characteristics are manifested. Entre Abel et Caïn. Between Abel and Cain. Montrant ainsi l'origine de l'un et de l'autre. Showing the origin of one and of the other. Dites ça à cette église, ils ne croiront jamais. You tell this to all these churches. Mais l'ange a été envoyé à Frère Branham. But the angel was sent to Brother Branham in the room that he was. Among other things, you told him. Ce qui arriva au jardin de Dieu. What happened in the garden of Eden. Le matin, is that in the morning, Eve alla avec le serpent. Went with the serpent. Et l'après-midi, and in the afternoon, elle alla avec Adam. She went with Adam. Et le soir, and in the evening, le Seigneur vint visiter. The Lord came to visit them, to visit Adam. Et il constata, and noticed ce qui est arrivé. What happened? Bien-aimés, nous aimons Dieu. Oh, we love God. Et quand Dieu prévoit de racheter. When God planned to redeem, ce n'est pas seulement Israël. It's not only Israel. Mais c'est toute l'humanité it's perdue. The entire humanity that was parce lost. Nous sommes tous issus d'Adam. Because we are all came from Adam. Ainsi, Dieu commence par choisir Israël. And then God started by choosing Israel. La postérité d'Abraham selon la chair. The offspring of Abraham according to the flesh. Il lui envoie ses prophètes. He sent his prophet to them. Commence par Moïse. He started with Moses. À qui il a révélé tout ce qui s'est passé au jardin. And to whom he revealed everything that took place in the garden of Eden. Et dans la loi. And in the law. Se trouve déjà annoncé. Was already said. La rédemption que Dieu accomplirait. That par the redemption Jésus. That God will fulfill through Jesus. Mais maintenant, ces hommes attendaient le Messie. These men were waiting for the Messiah. Les païens que nous étions, nous n'attendions pas le Messie. We were not expecting the nous Messiah. Étions morts dans nos offenses. We were dead in our trespasses. Sans Dieu, without sans God, espérance, without any hope, sans alliance, without any covenant, sans promesse, without any promise, sans aucun droit de cité à Israël. Without any right of city in Israel. Et cette Jérusalem jusqu'aujourd'hui. About this Jerusalem till nous n'avons même pas droit là. We don't have any right to it. Mais Dieu avait prévu. But God planned que par Jésus. But through Jesus Christ. Le païen. The Gentiles qui ne cherchent pas Dieu, who do not seek God, ils trouveront le chemin. Will find a way. Ils auront aussi part. They will take part à cette œuvre de rédemption. To this work of redemption. Ainsi, therefore, pour que l'agneau de Dieu, for the Lamb of God, dont le sang who, devra servir au rachat, à la rédemption. Whose blood have to serve to redeem. Pour que cet agneau soit immolé, for the lamb to be slain, c'est lui le Messie. Is him the Messiah. Donc il ne faudra pas qu'Israël le reconnaisse. Israel should not recognize il faut qu'il soit aveuglé. Israel had to be blinded. Qu'il le méconnaisse. Not recognize qu'il le livre. To deliver him, to hand him over. Qu'il soit mis à mort. So that he can be put to death. Parce qu'il est écrit. Because it's written. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour lui. That the shedding of the blood is no forgiveness of sin. Ainsi, voici cet homme. Here, look at this man. Il était là, il dit, mais ce Messie que nous attendons. He said, this Messiah that we are expecting. Cet homme,
Alors au verset 1, nous lisons Jean 1, 3. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui après, auprès du Seigneur, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, notre Seigneur va droit au but. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ça la chose capitale. That is the most important thing. Ça, ça doit être dans notre prédication chaque jour. It has to be in our sermon each and every single day. Dieu avait créé Adam. Because God created Adam. À son image. In his image. Il était dans un corps spirituel. He was in a spiritual body. Et Eve était en lui. Eve was in him. Donc l'homme était homme et femme. A man was a female, male and female. C'est quand il le mit dans le corps de chair, tiré de la poussière. When he put him in the body of flesh. Drawn from que, the dust of que Dieu earth. Dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. That's when God said it's not good for man to be alone. I'll make a helper. Et comment la chose arriva? How this happened? Nous avons lu dans Colossiens. We read in Colossians que personne ne vous juge. That let no one judge you. Au sujet de Sabbat, nouvelle lune, when it comes to the new moon or the Sabbath, toutes ces fêtes, all those festivals, c'était l'ombre. Those were just the shadow. Dans l'Ancien Testament, nous avons les ombres. In the Old Testament, we have shadows. Le Seigneur tue les agneaux, c'était une ombre. The Lord killing animals were just shadows. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. It's not good for a man to be alone. I'll make a help. Dieu fait tomber un profond sommeil sur Adam. God put Adam to sleep. Et il ouvre le flanc. And he opened his side. Il n'a pas ouvert la tête. He did not open his head, but his side. Et il fallait qu'un bon. And the arrest feels is the side of the side of Jesus. Amen. C'est une merveilleuse histoire. It's an awesome story. Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. God hid these things to the wise and understanding. Lui-même prend soin d'aveugler. He takes care of blind. Mais à l'égard de ceux qu'il a connus d'avance, il le rouvre. But for those he knew beforehand, he opened their eyes. La Bible dit. The Bible says. C'était l'ombre. He was a shadow. Mais la réalité est en Christ. But the reality is in Christ. En anglais, c'est bien dit. Dans Colossiens, en français, on dit le corps. Oui. Mais en fait, c'est la réalité. The reality. Parce que il y a les ombres. There are shadows. Maintenant, il dit. Now he says. Le Seigneur dit à Nicodème. The Lord said to Nicodemus. Il faut que vous naissiez de nouveau. You must be born again. Pourquoi? Why? Parce que quand Dieu créa Adam, when God created Adam et Eve, and Eve, il dit, he said, multipliez, soyez multiply, multipliez et remplissez la terre. And fill the earth. Mais il devait remplir la terre. They have to fill the earth avec des mortels, with mortal people, des enfants avec une vie courte, or children with a short life, qui doivent vieillir, who have to grow old and then die. No. Mais avant que ce que le Seigneur avait dit ne s'accomplisse, le diable est entré en scène. Before what the Lord said had to be fulfilled, the devil came in. Il s'est accaparé du serpent. He got into the serpent. Les scientifiques cherchent l'origine de ce The scientists want to know the origin of that serpent. Ils ne peuvent pas comprendre. They can't understand. Mais ils ont déjà expliqué. But they have explained. They have explained already. Un chaînon manquant that there is a missing link entre le chimpanzé et l'homme. The ape and a man, or the chimpanzee and a man. Cette espèce-là, ils ne l'ont jamais trouvé. They've never found that species between the chimpanzee and a man. Oui. C'est devenu un serpent. Because God destroyed, en fait, he became il était serpent. He was mais il est devenu rampant. But he became, he started crawling. Et quand parce que la Bible dit que c'était un animal le plus rusé. Yeah, the Bible says he was the most cunning animal. Le plus rusé. The most cunning animal. Avez-vous déjà lu? Oui. Oui. Il était capable. He was able de soutenir un entretien, une conversation. To talk. Avec a conversation with Eve, au point de la séduire, to the point to seduce her, l'amener dans le raisonnement, to bring her into reason, la faire tomber, and to make abandonner her fall, and so that she was able to abandon the word. Et il y a eu le mélange, and there was that mixture, et Eve a enfanté, and Eve gave birth, les enfants de mort,
children of death. Si Dieu a créé Adam à son image, if God created Adam to his image, c'était pour qu'il vive éternellement. He was for Adam to live eternally. Mais maintenant, now, comme il savait qu'il tomberait, since he knew that Adam would fall, il avait déjà prédestiné un agneau. Yeah, he predestined a man. Il a conçu son plan. He conceived his plan. Il est Dieu de toute éternité. He is God from all eternity. Il sait comment les choses vont se dérouler. And he knows how things will go. Things will happen. De par son nom, Elohim. Now from his name, Elohim. Il est tout ce qu'il est. He is all that he is. Quand il dit je suis, when he says I am, c'est-à-dire que le problème se pose. He says whether the problem happens. Il y a lui un attribut qui doit s'accomplir. There is an attribute that has to be displayed. Quand Adam tombe, when the Adam falls, Elohim est sauveur. Elohim is the savior. Amen. Il est capable de le relever de la chute. He is able to lift him up from the fall. Est-ce que le diable peut déranger le plan de Dieu? Can the devil disturb the plan of God? Dieu savait. God knew. Qu'un jour, that one day, il viendra un Adam. Adam will come. Dont le premier était la figure. Le premier Adam, the first Adam était la figure, was just a figure, du dernier Adam Jésus. Was the image of the second Adam Jesus. Nous remercions le Seigneur. We thank the Lord. Parce que Christ est venu, because Christ came avec l'eau, with water, et avec le sang, and with the blood, et l'Esprit rend témoignage, and the Spirit testifies. Amen. Amen. Ainsi, therefore, quand il mourut à la croix, when he died at the cross, son flanc fut percé, his side was pierced, l'eau et le sang sortit, water and blood came out. C'est là où, that's where, l'ève de ce dernier Adam, the eve of this last Adam came out. Mais le mystère, c'est celui-ci. This is the mystery. Ce sont les fils et filles de Dieu. The daughters are the sons and daughters of God. Qui forment cette ère. Who make the Eve. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? We understand this. C'est le langage de la Bible. This is the language of the Bible. Ainsi, therefore, il dit à Nicodème, he said to Nicodemus, vous devez naître de nouveau. You must be born again. Pour faire partie de l'épouse de Jésus. Now, to be part of the bride of Jesus Christ. L'église. Parole, l'épouse, parole, l'église et word, de Jésus-Christ. The word church of Jesus Christ. Il ne faut pas rester une vieille création. Don't remain all creation. Vous devez naître de nouveau. You must be born again. Amen. Mais maintenant, considérons comment nous naquîmes. How are we born again in the flesh? Un homme est allé vers une femme. A man went to a woman. C'était mon père et ma mère. That was my father and my mother. Une semence a été. A seed was sown, et je suis né. And I was born. Mais né avec quelle vie? What kind of life? Vie courte. With a short life. Je ne peux pas vivre éternellement. I cannot live eternally. Et en plus, and even more, vendu au péché. I was sold to sin. Dans la présence de Dieu, in the presence of God, aucune souillure ne peut être supportée. No filth can be can stand. Pas d'iniquité, pas de péché. No iniquity, no sin. Dans sa présence, tout crie sainteté au Seigneur. In his presence, everything cries out to holiness, holiness. Bon, lisons 1 Pierre chapitre 1. And let's read 1 Peter chapter 1. Il est dit au verset 19, verse 19, 18, 18 rather. Frère, la Bible est merveilleuse. And the Bible is awesome. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, mm-hmm. par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la manière vaine de vivre que vous aviez hérité de vos pères. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life, handed down to you from your ancestor. Regardez la vanité de cette vie. Look at how worthless this life is. Cette manière de vivre héritée de l'homme. This way of life handed down from our to us from our ancestors. On est menteurs. We are liars. Et livrés à l'adultère. And called for adultery. Débauchés. We are sexually immoral. Et nous vivons dans la génération où ils ont même dit plus question de femmes. Moi, je veux un homme. And we are in a generation where people say this, we don't need any. La perversion totale. Just go to another man. There is a total perversion. Comment ceci peut-il subsister devant Dieu? How can this stand before God? Alors, cet homme qui a hérité
cette manière vaine de vivre. This man who inherited this empty way of life. Si vous lisez Galates 5, if you read Galatians, les œuvres de la chair sont manifestes. And the work of the flesh are obvious. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Jesus said, whoever is born of the flesh is flesh. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Whoever is born of the spirit is spirit. Gloire soit rendue à notre Dieu. Glory be to our God. Ainsi, Dieu décide. And therefore, God decides. Pour qu'il naisse de nouveau, to be born again, il faut qu'un seul meure. And one has to die. Pour eux, for them, afin que ceux qui croient. Lui, so that those who believe in him identify à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection, can identify themselves to his death, his burial and his resurrection. Pour marcher en nouveauté de vie, to walk in a newness of life. Amen. Tout cela s'est fait par la foi. All that is being done by faith. C'est pourquoi nous vous disons ce matin. That's why we are telling you this morning again. Quiconque s'approche doit croire. And whoever draws near God must believe. Mais regardez la grâce que Dieu nous fait. Look at the grace of God toward us. Croire, c'est Dieu qui nous le donne. And to believe is given to us by God. Tout le monde ne peut pas croire. All cannot believe God. Dieu a conçu son plan. God conceived his plan. Dieu a élu des hommes et des femmes par grâce. And God elected men and women by his grace. Sans qu'ils aient fait du bien ou du mal. Without doing any good or wrong. De ces deux-là, fils d'Isaac, son of Isaac. Le Seigneur dit, the Lord said, j'aime Jacob. I love Jacob. Je hais. Exactly. I hate Esau. Mais qu'a-t-il fait, Seigneur? What did they do? Mais la Bible dit, the Bible says, afin que le dessein de Dieu the purpose of God's dépendre de stand without depending on their works. Que son nom soit glorifié. His name. Ainsi, mon frère, ma soeur. Therefore, my brothers and sisters. Il a élu. He elected. Pour que ces hommes soient saints. So that those people can be holy and blameless. Devant lui. Before him. Et il les a prédestinés predestined them à être ses enfants to be his children, d'adoption. His adoptive, his adoptive children through que Jesus soit béni. Christ. Amen. Dieu est capable de tout. God is able to do everything. Il a élu. He elected. Il a prédestiné. He predestined. Et puis, and then, il dit, mais pour que... He said, so that que ce sont des hommes et femmes comme tous les autres mélangés. Men and women like all other people. Pour qu'ils sortent du lot et for them to come out of, je leur accorde ici. To come out of them and to recognize what je leur fais don de la foi. I give them the gift of faith. Frère, si tu crois, tu es bienheureux. If you believe, you are blessed. C'est la grâce, c'est l'amour de Dieu pour toi. The grace of God is the love of God for you. Il y a des gens qui ne croient pas. There are those people. Même dans ce message, ils sont in this message, they don't believe. Mais quiconque s'approche doit croire. Whoever draws near God must believe. Que les choses qui lui sont dites, so that the things that are said, réalité. Become reality. La nouvelle naissance est une réalité. New birth is a reality. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? L'homme, la femme, de la vieille création, the old creation, devient une nouvelle création. Become new creation. C'est ce qu'il a fait de nous. And that's what he did for us. Parce que nous avons cru, c'est pour cela que nous parlons. But because we believe, that's why we speak. Nous avons cru, nous avons expérimenté. And we nous believe, parlons. We have experienced. Ce qu'il a fait de nous, il est capable de le faire pour vous aussi. Yes, he is able to do it for you as well. Parce que c'est l'unique foi. It's the only faith. La foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. The faith that was transmitted to the saint once for all. Que Dieu fasse grâce à chacun. May God show mercy to each one. Understand this, brothers and sisters. Le message, le dernier message de leur revenu. The last message is came pour que les enfants so de Dieu de cette génération, the children of God, the children of God of this generation may be born. Et ici nous sommes à la fin. Here we are at the nous end. Nous sommes la génération la dernière. We are the last generation. Qui sait, qui est conscient who qu'elle knows est la dernière. That they are the last generation. Et dans cette génération, in this generation, Dieu a des enfants de la promesse. And God has the children of the promise. Qui croient la parole promise. Who believe the promised word. Et qui reçoivent l'esprit promis. And who believe, who receive the promised spirit. Alors, la semence pour naître de nouveau. The seed to be born again. C'est la parole. It's the word. Luc chapitre 18. Chapitre 8. Luc 8. Et vous pouvez lire Matthieu 13. You can read Matthew 13. La semence. The seed. C'est la parole. Is the word.
Et nous, enfants de la promesse, we children of the promise, selon Matthieu 13, according to Matthew 13, nous sommes la bonne semence. We are the Amen. Good seed, semé par le Fils. Sown by the Son of semé God. Dans cette génération. Sown in this generation. Alors quand la parole semence vient à la bonne semence when, que nous sommes, when the seed word come to the seed, nous la recevons, nous croyons. We receive it and believe it. Nous sommes engendrés à la nouvelle vie. We are begotten to the new et life. Et nous paraissons. And we appear. Nous relevons la tête. Now we lift up our heads. Bien aimés frères, beloved brothers, venez-vous, il y avait dans ces champs, there was on the field, où le Seigneur avait semé, the Lord sown, le blé, the Lord sowed a wheat. Un ennemi est venu, il a aussi semé l'ivraie. And the enemy came and sowed a wheat. Ainsi, ils marchent côte à côte. And they walk one next to the other. Mais ce qui doit être bien compris de chacun de nous. What needs to be well understood by nous parlons each autour de Colossiens chapitre 2. We are talking oui. around Colossiens. Il y a une circoncision. There is a circumcision. Mais c'est pas la circoncision des Juifs. It's not no. a circumcision of Jews. Ici, il s'agit de la circoncision de Christ. It's not a circumcision of Christ. Celle des Juifs, the circumcision of c'était dans la chair. Vous savez où ça s'est fait. And you know what that is being et that was done. Dans, c'est Dieu qui avait donné cela. That it's God who gave that. Il en avait déjà parlé à Abraham. He talked about it to et Abraham. Dans la loi, il en a parlé à Moïse. And in the law, he talked about it to Moses. Josué aussi a pratiqué. And Joshua did the same thing. On doit circoncider. People have to be circumcised. Mais la circoncision a une signification. Circumcision has a meaning. Dieu montre là par où le péché est entré. God oui, shows where oui. sin came into the world. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Et quand il dit à la femme, when he said to the woman, parce que il a dit au serpent, he said to the serpent, tu ramperas, tu mangeras la poussière. You et puis à la femme, and you eat dust. And to the woman, tu enfanteras avec douleur. You give birth il indique là où la chose est arrivée. And he's telling us where the things happened. Est-ce que vous saisissez ça? Do you understand this? Tu enfanteras avec douleur. You give birth with pain. Dieu est bon. God is good. Amen. Nous pouvons trouver tous les repères dans la Bible. We can find all the signs in the Bible. Mais la circoncision là, but that circumcision, n'était qu'une image. It was just an image. Et quand Christ vient, when Christ came, lisons un peu let's dans read, Jean, in John, Jean chapitre 7. John chapter 7. Quand Christ entre en scène, when Christ came in the world, verset 19. Verse 19. Vous y êtes? Oui. Are you there? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? C'est le Seigneur qui leur parle. Has not Moses given you the law? Et nul de vous n'observe la loi. Yet not one of you keeps the law. On peut tromper tous, mais pas Dieu. Well, we can lie to everybody, but not God. Le Seigneur regarde le Juif, il dit aucun de vous. Well, the Lord look at all the Jews and say none of you. Au verset 20. Verse 20. Alors il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Why are you trying to kill me? Verset 20. Now verse la foule 20. Répondit. The crowd answered. Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Il le ferait mourir. Possessed, you are trying to. Who's trying to kill you? Mais ils ne savaient pas. They didn't know. Ils savaient pas ce qu'ils feraient. They didn't know what they would. Verset 21, Jésus leur répondit. Verse 21, the Lord answered. J'ai fait une œuvre. Et vous en êtes tous étonnés. I did one miracle and you are all amazed. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Yet because Moses gave you the circumcision, though actually it did not come from Moses but from the patriarch. You circumcise a boy on the Sabbath. N'oubliez pas, le sabbat aussi c'était un homme. Don't forget the Sabbath was also a shadow. On ne juge pas au sujet de sabbat. You should not be judged when it comes la to the Sabbath. La réalité est en Christ. The reality is Amen. In Christ. Alors, le jour de sabbat, the day of Sabbath, il dit, vous circoncisez un homme le jour du sabbat, mais quand quelqu'un essaye de faire quelque chose, c'est le sabbat. C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit. When somebody tries to do something, you say, no, this is the Sabbath. Mais ils ne comprenaient pas que le sabbat était une ombre. Now they did not understand that the Sabbath was alors, just Jésus a shadow. Jésus leur dit ça. Jesus said to them, Moïse vous a donné la circoncision, et il dit, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. You circumcise a boy on the Sabbath.
Au verset 23. Verse 23. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat. If a boy can be circumcised on the Sabbath. Comme ça parce que c'est très important. It's very important. Yes. Et vous situez la circoncision. And now you know what the circumcision is. C'est un petit organe où on coupe it's a small une organ, membrane. And they cut off what is the useless. Un petit organe de l'homme. C'est pas l'homme tout entier. It's a small organ in a man. You cut that useless part. Alors, si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat. If a boy can be circumcised on the Sabbath. Afin que la loi de Moïse ne soit pas violée. So that the law of Moses may not be broken. Maintenant, pourquoi vous irritez-vous contre moi? Why angry? With me, de ce que j'ai guéri un homme tout entier. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il s'agit de la circoncision de Christ. Yeah, it's about the circumcision of Christ. Le Seigneur veut te changer tout entier. Yeah, the Lord wants to change your whole body. Amen. Your whole pas seulement extérieurement. Not only outwardly. Mais corps, esprit et âme. But body, soul and spirit. L'être tout entier. Your entire being. Oh, seul il est capable de le faire. Only him can do it. Sa parole a la puissance de le faire. His word has the power to do it. Amen. Glorieux. It's glorious. Un homme tout entier. The entire body. Le jour du sabbat. The Sabbath day. Le sabbat. The Sabbath. C'était le jour de repos. It was the day of rest. Mais le vrai repos, c'est pas le sabbat. The non. True rest is not the Sabbath. Le vrai repos est en Jésus-Christ. The true rest is in Jesus Christ. De la part de Dieu. From God. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Romains chapitre 2. Romans chapter 2. Regardez. Israël a circoncis. Israel had the circumcision. Nous les païens, on ne connaissait pas. We the Gentiles did not know it. Et circoncis, ils se moquaient de nous. They were making fun of us because we were uncircumcised. Mais maintenant, Paul, now, avec Paul, la révélation de Jésus-Christ, with the revelation of Jesus Christ, il le dit au verset 25. He said in verse 25. Parce que il est question. Si tu te réclames de la loi, il faut observer toute la loi. Because if you call tous les commandements. Sans faillir being part of the law, you have to observe the entire law without failing one. Mais le Seigneur leur avait déjà dit. But the law said, Moïse vous a donné la loi. Moses gave mais the law. Aucun de vous n'observe la but loi. But if none of you keep the law. Si vous lisez dans Jacques, if you read in James, si quelqu'un accomplit 9 commandements, if somebody fulfills 9 commandments and fails to fulfill one, il est coupable de tout. He is guilty of all. Chez Dieu, c'est 100%. When it comes to God, it's 100%. Oh non, l'enfant a réussi. Il a eu combien? Oh, il a eu 55%. My child had 55%. For God, that's dire, non, le mien a eu 99%. Mine had 99%. Il a échoué. And the Lord said he had failed. Chez Dieu, c'est 100%. So when it comes to God, it's 100%. Alors, si vous considérez ça, vous vous dites. And when you see that, you can qui say va être sauvé? Who will be saved? Il fallait que Dieu fasse grâce. God has to give us grace. Vous comprendrez l'importance. You understand the meaning. Que Dieu puisse lui-même secourir l'homme. Is it for God to help man himself? Alors, au verset 25, Romains 2. Romans 2. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Circumcision has value if you mais si tu transgresses la loi. But if you break the law, ta circoncision devient incirconcision. Yes. You have become amen. As though you have et Jésus leur dit aucun de vous. Jesus said, none of you. Et qui dit vrai? Who said, who is true? C'est le Seigneur. He's the Lord. Et au verset 27. Verse 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? And the one, do you see? Amen. Ça sert à rien. It means nothing. La lettre tue. And the letter kills. Mais c'est l'esprit qui vivifie. It is the spirit that gives life. C'est pourquoi le Seigneur dit. That's why the Lord said. Ce qui est né de la chair est chair. What is born of the flesh is flesh. Ce qui est né de l'esprit est what is born of the spirit is spirit. Celui qui sème pour la chair récoltera la mort. Whoever la corruption. Amen. Mais celui for the flesh will reap a corruption. Pour l'esprit. But whoever a soul for the spirit will reap eternal life. Et pour là, frère. Are you with me? Amen. La Bible dit. The Bible says. Au verset 28. Verse 28. Le juif n'est pas celui qui en a le dehors. A person is not a Jew. Oui. Is not a Jew who is one only outwardly.
Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Nor is circumcision merely outward and physical. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Now a person is a Jew who is one inwardly. Et la circoncision, c'est celle du cœur. And circumcision is circumcision of the heart. Selon l'esprit et non selon la lettre. By the spirit, not by the written. Écoutez, code. Et la louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Such a person's praise is not from other people, but from God. Mon frère, si tu as cru, my brother, if you have tout ton cœur dans l'œuvre de la rédemption, all your heart to the work of redemption, tu t'es identifié à la crucifixion. You have identified yourself to the crucifixion. Tu es mort avec Christ. You died with Christ. Parce qu'il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Whoever believes, believed and be baptized will be saved. Tu as cru, tu vas dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. You go to the water in the name of the Lord Jesus Christ. Tu prouves à Dieu. You show to God. Tu confirmes. You confirm que tu as cru, tu as accepté. Do you have believed and accepted le pardon, the forgiveness? Alléluia. Alléluia. Tu as accepté la rédemption. You have accepted the redemption. Et Dieu, and God, à son tour, in his turn, il doit confirmer. He has to confirm. Amen. Qu'il t'a agréé. That he is pleasing with you. En faisant quoi? By doing what? En te baptisant de son esprit. Or by baptizing you with his spirit. Est-ce que vous comprenez? Do you understand this? C'est très important. It's very important. Maintenant, si le pasteur dit, if the pastor says, frère, c'est vraiment un frère. This is indeed il a vraiment cru. He truly believed. Il est même baptisé. He even baptized. C'est vraiment une sœur. This is a truly a sister. Ça ne suffit pas. That's not enough. Parce qu'ici la louange, because the praise, ne vient pas des hommes. Does not come from man. Mais de Dieu. Amen. La Bible dit, the Bible says, revenons à Colossiens 2. Let's come back to Colossians 2. On peut lire à partir du verset 10. Let's read from verse 10. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. He is the head over every power and authority. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. In him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Mais circoncis de la circoncision de Christ. Amen. Your own self ruled by the Amen. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Was put off when you were circumcised by Christ. Alléluia. Amen. Au verset 12. Verse 12. Comment donc? Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith in the working of God who raised him from the dead. Les hommes cherchent des miracles. People seek miracles. Mais le premier et le plus grand d'entre eux, c'est ça. The greatest of all miracles is this. Que Dieu fasse des fils d'homme, of God un fils make, de Dieu, a son of man, d'homme, a son of God, une fille de Dieu, the daughter of man becoming a daughter of God. Et les gens disent, mais nous le connaissons. The people say, oh, we know him. Son père c'est. His father is. Mais le Seigneur, but the Lord, lui accorde d'appeler Dieu son père. Allow him to call God his father. Et l'Écriture dit. And the Scripture says, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. Paul s'inclut là-dedans. Paul includes himself. Il tient à être là-dedans. He want to be in. Il parlait disant vous. He said you were dead. Qui était mort par vos offenses et par les circoncisions de votre chair. And the uncircumcision of your flesh. Il vous a rendu à la vie. Now, made you alive with Christ. Et tout de suite il dit, en nous faisant grâce. And all of a sudden he says, by showing us mercy. Chacun de nous.
each one of us doit faire cette expérience. Have to have this experience. Mourir avec Christ. Or die, to die with Christ. Pouvoir vivre avec lui. Learn to live with him. C'est ça la nouvelle naissance. That is new birth. Revenons à 2 Corinthiens chapitre 5. Let's come back to 2 Corinthians. Tout le reste, vous pouvez vous targuer de connaître, de savoir. Frère, nous avons la parole prophétique, c'est vrai. You can say we have the prophetic. Les événements qui s'accomplissent, nous voyons ça. We see all éclairé par la prophétie de la Bible. We can see Amen. Them, the prophecy of the Bible. It's good. Mais quand Christ revient, when Christ comes, il faut que tu partes. You have to go with him. Si tu restes, cette connaissance aura servi à quoi? If you stay behind, what the knowledge will serve? 2 Corinthiens chapitre 5. Our 2 Corinthians 5. Au verset 15. Verse 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Amen. And that for all that those who live should not longer live for. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. But for him who died for them and was raised again. C'est ça la nouveauté de vie. And this is the newness of life. Et ils vivent cherchant à dépouiller toujours les vieillons. Now they are living trying to always examining, condemning tout ce qui est de l'homme. Examining, condemning everything that belongs to our old self. Ils veulent que tout en eux soit nouveau. They want everything to be nouveau. Everything be new. Tout soit non seulement nouveau mais divers. Not only new. Alléluia. Parce que par la résurrection de Christ, through the resurrection of Christ, cette puissance que Dieu a déployée en le ressuscitant, this power that God showed by raising him, 2 Pierre, 2 Peter, au chapitre 1, chapter 1, c'est très important. It's very important. Ça appartient à cette circoncision. And it belongs to this circumcision. Il s'agit de la nouvelle naissance. It's about new birth. 2 Pierre 1, 2 Peter 1, à partir du verset 3, from verse 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ouais. C'est ce que nous lisons dans Colossiens. Vous avez tout pleinement en vous. You have everything full in him. Amen. Frère, il n'y a pas d'excuse. There's no excuse. L'honneur est pour vous qui croyez. Honor is for you who believe. Dieu a tout donné. La main pour prendre, c'est la foi. God gave everything, the hand to take. Alors, it is your faith. Comme c'est lui qui nous fait don de cette foi. Since he gives us the gift of faith. Dans cette réunion, tu peux lui dire. In this meeting, you can tell him. Seigneur, Lord, viens au secours de mon écrit. Come and help my faith. Amen. Seigneur, augmente ma foi. Lord, increase my faith. Parce que sans la foi, without tu n'as rien. Faith, you have nothing. Tout on le reçoit par la foi. Everything we receive it by faith. Oh, que Dieu lui-même affermisse notre foi. May God strengthen our faith. 2 Pierre chapitre 1. 2 Peter chapter 1. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, sa puissance, la Bible dit, the Bible says, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Through our knowledge of him who called us. Le connais-tu? Do you know him? Il faut qu'il se révèle à toi. He has to reveal himself. Or la vie éternelle. Eternal life. C'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Is that they may know you, the true God, and him you sent Jesus. Par la nouvelle naissance, nous recevons la vie éternelle. Through new birth, we receive eternal life. Ceci est très important. It's very important, brothers and sisters. Il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. He called us by his own glory and goodness. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Through these he has given us his very great and precious promises. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de la promesse. We are children of the promise. Alors il nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. He has given us the great and precious promises. Afin que par ces promesses, so through them, vous deveniez participants de la nature divine. You may participate in the divine nature. Plus besoin de la nature hérité de, no longer, de nos pères. We don't need the nature inherited pécheurs, through our fathers. Vaincus par le péché. Sinners overcame by sins. No. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. All the promises of God are yes in Jesus Christ. Et par nous, Jésus doit dire Amen. Through us, Jesus has to say Amen to his promises. Oh, que Dieu fasse grâce. May God show mercy. Et afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde
par la convoitise. Having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Mon frère, ma soeur, my brothers and sisters, quiconque est venu à Christ, whoever came to Christ, il a cru dans le sacrifice de Dieu, whoever believed in the sacrifice of God, il continue à convoiter le monde, and still lasting after the world, c'est que le sacrifice n'a pas été suffisamment appliqué à soi. It means the sacrifice was not fully applied to him. Oh, que le Seigneur se révèle personnellement. He revealed himself personally to each one of you. Nous ne sommes pas ici pour être simplement des croyants. We are not here just to be believers by our lips. Mais la Bible dit, but the Bible says, si tu crois, if you believe, de tout ton cœur, with all your heart, et si tu confesses de ta bouche, and if you confess with your mouth, la bouche ne parle que de l'abondance qui est dans le cœur. Now, the mouth can only speak from the overflow of your heart. Paul dit, Paul says, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Now we believe, therefore we speak. Faut pas faire du bruit. Don't make noise. Parler de ce que tu n'as pas expérimenté. To speak about things you have yet to experience. Avec Dieu, tout est réalité. And with God, everything is reality. Quand Christ naquit, when Christ was born, on a vu le bébé. People saw the baby. Simeon l'a pris dans ses bras. Simeon took the baby in quand his les anges ont proclamé la bonne nouvelle, when the angel proclaimed the good news to the shepherd, ils étaient effrayés parce que they were frightened, la gloire du Seigneur a resplendi dans le ciel. Because the glory of the Lord was in the sky. Et ils étaient effrayés. And they were frightened. L'ange leur dit, the angel told them, ne craignez point, do not fear. Je vous annonce une bonne nouvelle. I'm telling you good news. C'est que dans la ville de David, in the city of David, il vous est né un sauveur. A savior is born unto you. Le Christ, who is the Christ, le Seigneur. The Lord. Et à l'ange, to the angel, s'est joint une cohorte d'autres anges. The angel, a group of angels. And the angel came and they sang. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Glory to God in the highest. Le paix sur la terre. A peace on earth. Parmi les hommes de son bon plaisir. Amen. Men of his delight. Les hommes qui l'agréent. Amen. Êtes-vous agréé de Dieu? Amen. Are you pleased? Mais cette bonne nouvelle court encore. This good news is still running. Les anges ont chanté. The angels sang. Et ils ont proclamé cette paix. And they proclaimed that peace. La paix, peace, c'est parce qu'il a pardonné nos péchés. Because he forgave our sins. Et la Bible dit, and the Bible says, Romans 5, étant donc justifié par la foi, being justified by faith, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Amen. Par Jésus-Christ. Through Jesus Christ. Le fardeau est ôté. Our burden is taken. Oh, que son nom soit glorifié. Praise his name. Et après que les anges soient partis, after the angel left, les bergers n'ont pas dit bon, continuons avec nos. And the shepherd did not say, let's keep on tending our sheep. No, ils leur ont dit, they tell où ça s'est passé. And the angel told them when that took place. Comment ils trouveraient? How they will find the baby? Ils ont laissé leur troupeau. And they left the flock. Ils sont partis. And they went. Ils ont dit allons voir. And they said let's go see. Peut-être qu'on peut lire. Oui. Enfin, Dieu, le frère est en train de raconter des choses. People may say, our brother is telling things. Dans Luc. In Luke, au chapitre 2, chapter 2, au verset 15, verse 15, hein, vous pouvez lire ce que nous avons cité, qui est en haut. You can read everything else we have mentioned. Verset 15, which is about, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, now we are verse 15. Les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Amen. Ils y allèrent en hâte. 16. Et ils trouvèrent Marie et Joseph. Et le fils et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Verset 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Verset 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu. Alléluia. Pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. 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 Vous savez, Paul écrit ces paroles. You know, Paul wrote these words dans 2 Corinthiens, 2 Corinthians, au chapitre 1. Chapter 1. Bien-aimé, beloved, nous ne croyons pas. We don't believe. Pour partir et oublier. To go and then forget. Vous savez, Jacques dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés. You know, James said, do not be forgetful hearers. Au verset 12. Hearers. Verse 12. Car
Car ce qui fait notre gloire, 2 Corinthiens 1, verset, à partir du verset 12. Verse 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Verset 13. 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. Amen. Et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Do you understand this? Ce que nous vous disons, ce n'est pas autre chose. But what we are telling you is not something else. Jetez-vous dans ses bras. Oui. Throw yourself et vous expérimenterez. And you will experience. Qu'il est capable de faire de vous fils et filles de Dieu. That he is able to make of you sons and daughters. Mort à la vieille vie. Die to your old life. Ayant reçu la vie nouvelle. But having received the new life. Pour vivre avec Jésus. To live with Jesus. Et notre Seigneur ressuscité. Our Lord, when our Lord was risen. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. He said all power was given to me in heaven. Car je vis, vous devez aussi vivre. Because I live, you also have to live. Frère, brothers, ce que nous croyons, what we believe, cherchons à l'expérimenter. Let's try to experience. La nouvelle naissance n'est pas une histoire. New birth is not a story. No, c'est réel. It's real. Que Dieu aide chacun dans sa grâce. May God help each one of us by His grace. Il était dit dans Isaïe 42. It was said in Isaiah 42. Bon, on va s'arrêter. We are going to stop. Isaïe chapitre 42. Isaiah 42. Au verset 1. Verse 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. He is my servant whom I mon élu en qui mon âme prend plaisir. My chosen one in whom I je delight. Mis mon esprit sur lui. I put my spirit on him. Il annoncera la justice and aux nations. He will proclaim justice to the nations. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne criera point, ne lèvera point la voix et ne fera point entendre. Ne la fera point entendre dans les rues. Verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé. Amen. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Mm. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Amen. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Until he establishes justice on earth. Et que les îles espèrent en sa loi. And his teachings, the island will put their hope. Ce jour-là, dans Matthieu. That day in the book of Matthew. Au chapitre 12. Chapter 12. Matthieu. Matthew. Chapitre 12. 12. Il est dit, à partir du verset 15, from verse 15, mais Jésus ayant su le projet de pharisiens, le projet qu'ils avaient, s'éloigna de ces lieux. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Do you believe this? Que Jésus-Christ est le même. Jesus is the same. Il guérit tous les malades. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? What can he not do? On peut encore lire. We can also read. Il sauva tous les perdus. Amen. On peut encore lire. We can also read. Il délivra tous les enchaînés. Amen. On peut encore lire. We can also read. Il renvoya libre tous les opprimés. Amen. Il est le même. He is the same. Et l'écriture dit. And the scripture says. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. He warned them not to tell others. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le this prophète. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Verset 18. Verse 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi. He is my servant whom I have chosen. Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. The one I love in whom I have. Je mettrai mon esprit sur lui. I put my spirit on him. Et il annoncera la justice aux nations. He will proclaim justice to the nations. Au verset 20. Verse 20. Il ne brisera point le roseau cassé. A bruise, a reed, he will not break. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. And a smoldering wood. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Until he has brought justice. Et les nations espéreront en son nom. To victory. Amen. In his name, the nation will put their hope. Il a commencé.
commencé à Jérusalem, en Israël. He started in Jerusalem, en Judée, Israel, in Judea, en Samarie, in Samaria. Mais maintenant ici au temps de la fin. Now here at the end time, le message du salut est allé par toute la terre. The message of salvation has gone all over the world. Le dernier élu doit entrer, alors les portes the last chosen one Amen. Must enter Amen. And then the door will be closed. C'est lui qui fait triompher la justice. It's him who brought justice through victory. Quand il sauve parfaitement. When he saves, he saves perfectly. Quand il guérit parfaitement. When he heals perfectly. Bonheur est pour vous qui croyez. Honor is for you who believe. Si vous ne croyez pas, if you don't, Dieu ne va rien faire. God will not do anything with you. Regardez notre Seigneur sur la terre. Look at our Lord on earth. Tout ce qu'il a fait. All that he did. Il a fait dépendre de la foi. He made it depend on faith. Qu'il soit fait selon ta foi. Let this be done according to your faith. Cette femme qui souffrait de la perte de sang. This woman who has the flowing of blood for a lot of years. Elle n'avait même pas besoin que le Seigneur la regarde. She did not even need the Lord to look. Vous connaissez cette histoire? You know the story. Mais dans la foi. But in faith. Elle a dit si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. She said if I can only touch. Ça c'est quoi? La foi. The hem of his garment. Quand la foi est dans quelqu'un. It's faith. When faith is in somebody. Le Seigneur bouge. The Lord moves. Et on a touché que le vêtement. The only touch his garment. Et il y avait une foule qui pressait le Seigneur. But there was a crowd next to him. Mais le Seigneur dit qui m'a touché? And the Lord said who touched me? Les disciples ont dit mais tu vois la foule qui te presse ici. Qui saura que quelqu'un a touché ton vêtement? Ce n'était même pas le corps, la main, ou le bras, non, le bord du arm. He was just the la foi fait of the bouger God. Dieu. Amen. Amen. Et quand il toucha le bord du vêtement, when he touched the hem of the garment, le sang s'arrêta. His blood, his flow of blood stopped. And he was healed once. Et le Seigneur a senti une force sortir de lui. And the Lord felt a power coming out of him. Qui a touché? He said, who touched me? Qui m'a touché? Who touched me? Dieu est tout puissant. God is Almighty. Le Seigneur Jésus est le même. And the Lord Jesus is the same. Frère, crois. Brother, believe. Ma sœur, crois. My sister, believe. Tout est possible. Amen. All is possible. Amen. Yes. La Bible dit. The Bible says clairement, clearly, dans Luc, in Luke, Luc, au chapitre 4, chapter 4, ceci est le jour que le Seigneur a fait. And this is the day the Lord has made. Il est venu pour libérer. He came Amen. To set free. Et partout où l'évangile est prêché. Everywhere the gospel is preached. Les enchaînés sont délivrés. Those Amen. Who are in chains are delivered. Dans Luc chapitre 4. In Luke chapter 4. L'esprit du Seigneur est sur moi. The spirit of the Lord is vous on me. Vous connaissez cette écriture. You know that scripture. Parce qu'il m'a oint. Because he has anointed me. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. The good news to the poor. Il m'a envoyé. He sent me. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. To heal those who have pour proclamer aux captifs la délivrance. To proclaim deliverance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. To set free the oppressed. Pour publier une année de grâce. To publish a year of grace of God's favor. Frère, Lord, ce puissant cri. Brothers, this powerful shout, this powerful word, retentit encore pour la dernière fois still ring for the last time on earth. Par ce message d'appel à sortir, through this message of sortir de Babylone, of calling to come out of Babylon, se séparer de tout, and to be separated from everything. 18:4. Revelation 18:4. Et 2 Corinthiens 6. And 2 Corinthians 6. Non seulement se séparer, and not only to be separated, mais ne rien toucher d'impur. Not touch any unclean thing. Dans 2 Corinthiens 7. And in 2 Corinthians 7:1, parce que le Seigneur a dit, because the Lord said, quand vous ferez ça, when you do this, vous serez pour moi des fils et des you will be the sons and daughters for me. Et je serai pour vous un père. I will be a father to you. Et Paul exhorte. And Paul exhorts. Ayant donc de telles promesses. Having such promises. Purifions-nous de toute souillure, de l'esprit et de la chair. En achevant notre sanctification. By completing our sanctification. Dans la crainte de Dieu. In the fear of God. L'heure est très avancée. The time is nearly over. Ce message puissant. This powerful message. Qui a été apporté par Élie le prophète. That was brought by Elijah the prophet, et qui est allé dans le monde par le serviteur fidèle et prudent, traveled throughout the world by, through the wise and appel au rassemblement l'épouse servant
afin qu'elle soit lavée, calling the bride to be cleansed, qu'elle bénéficie de toutes les expériences originales, so she can take advantage des conversions, des nouvelles naissances, the conversion, du baptême de l'Esprit, baptism of the Holy Spirit, parce qu'elle doit être présentée au Seigneur, because she has to be presented to the Lord pure, as a pure virgin, pure de la parole, pure of the word, parole non mélangée, word la dernière Ève, the last Eve, ne sera pas touchée, will not be touched. Elle sera présentée au dernier Adam. To the last Adam. Il dira, voici cette femme. He will say, this time around, bone of my bones, flesh of my flesh. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jesus is the word made flesh. L'église épouse. The bride church sera l'épouse parole. Will be amen. Bride a word. Le Seigneur se reconnaîtra en elle. The Lord will recognize himself. Oh, il sera transporté de d'allégresse de joie. You will lift of joy and gladness. Parce qu'au cours des âges, il n'en a pas trouvé. Because throughout the ages, he did not find. Cet appel est le dernier, frères et sœurs, nous vous en supplions. This is the last call, brothers and sisters. We beg you. Soyez réconciliés avec Dieu. Be reconciled with God. On peut revenir à 2 Corinthiens. We can come back to 2 Corinthians. On va terminer cela. Lire quelques versets. We are going to read a few verses. Let's read au verset 17. Verse 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. If anyone is in Christ, the new creation has come. Les choses anciennes sont passées. The old is gone. Amen. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. The new is here. Amen. Ne discutez pas, n'expliquez pas. Do not explain this. Et tout you. Cela. Ne vient pas du pasteur ou de l'église. Does not come from any pastor of any church. Et tout cela est l'œuvre de Dieu. And all this is from God. Yes. Ephésiens 2:10. Ephesians 2:10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. We are the workmanship of God. Créé en Christ. Created in Christ. De bonnes œuvres. For good works. Que Dieu a préparé d'avance. God prepared beforehand so we can do them. Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. May God show us mercy. Il s'agit de se donner à lui. It's about giving yourself to de tout son cœur. With all your heart. Accepter son pardon. Sa réconciliation. Forgiveness is reconciliation. Et permettre au Seigneur. And to allow the Lord. D'accomplir par sa parole. To fulfill son œuvre profonde. His deep work. Et vous rendre témoin. And to make you witnesses. Parce que vous savez ce que because vous dites. You know who you are. Vous pouvez dire, you can say, quelque chose s'est passé. Or something has happened. La Bible dit, the Bible says, verset 19, verse 19, car Dieu était en Christ. God was in Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Reconciling the world with himself. En ne butant point aux hommes leurs offenses. By not counting people's their sins against them. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. He put in us the word of reconciliation. Frère, il a publié une année de grâce. He published the year of la grâce de Dieu, c'est l'unique source de salut de tout homme. The grace of God is the only source of salvation for all men. Quiconque reçoit cette grâce ne peut pas rester la même personne. Amen. Non. Receive that grace. Cannot remain the same person. No. La grâce est plus puissante que la loi. The grace of God is more powerful than the law. La loi n'a pas apporté la vie. Now the law did not give life. La loi venait avec la condamnation. The law came with condemnation to death. Mais la grâce. But the grace of God venait avec la justification qui donne la vie. A justification that brings life. Christ a pris nos péchés sur la croix. Christ took our sins at the cross. Il est mort pour nos offenses. He died for our sins. Et sa mort fut constatée. And his death was known. Et il est ressuscité and he rose pour notre justification. For our justification. Amen. Nous sommes libres. Amen. We are free. Amen. Par l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie. Through the work of redemption that he did. Nous sommes devenus we have become sa propriété. His property. Laissez le monde disposer de lui-même. Let the world lead themselves. Nous nous disons, Seigneur, we say, Lord, nous t'appartenons. We belong to you. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Let it be done according to your will. Notre Père, que ta volonté soit faite. Father, let your will. Tous les autres disent, notre Père, que ta volonté soit faite. Amen. Mais ils font leur volonté. All others say, our Father, let your will be done, but they do their own will. Parce qu'en fait, ils ne sont pas engendrés par la semence. Because they are not begotten by the seed. Mais Ephésiens 1:13. Ephesians 1:13. Vous aussi. You also. Après avoir entendu la parole de vérité. After you have heard the word of the truth. L'évangile de votre salut. The gospel of your salvation. En lui, vous avez cru. You have believed. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. And you have
been sealed with the Holy Spirit. Si la parole de vérité n'est pas prêchée, if the word of the truth is not preached, you cannot be born again. La semence, c'est la pure parole non mélangée. The seed is the pure word of God without any mixture. Alors, vous demandez-vous, are you asking dans l'église catholique, in the Catholic Church, les groupes charismatiques, in the charismatic groups and all that, on dit, nous parlons en langue par le Saint-Esprit. We speak in tongue through the Holy Spirit. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. But the Holy Spirit is the Spirit of the truth. Il n'est attiré que par la parole de vérité. And he can only be drawn by the word of the truth. Vous dites, je vous salue, Marie. You say, vous êtes bien le chapelet. Et vous dites le Saint, non. And you say, the Holy Spirit is not there. Mais remercions Dieu pour Let thank God for his grace. Dans Colossiens, terminons là. But in Colossians. Colossiens, chapitre 2. Colossians chapter 2. La Bible dit. The Bible says. Au verset 14. Verse 14. Notre Seigneur Our Lord, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Has canceled the charge of our legal deadness which stood against us. Il n'impute pas aux hommes leurs offenses. Ils ne sont pas prêts à venir à lui. He does not count people's sin against them, yet they are not ready to come to him. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, taking it away, nailing it to the cross. Il a dépouillé les dominations, having disarmed the powers and authorities. Et les a livrés publiquement en spectacle, and made a public spectacle en triomphant d'elles par la croix, triumphing over them by the cross. Le diable a perdu tout droit sur nous. Ah, the devil has lost all its rights. La semence de la femme a écrasé la tête du serpent. Ah, the seed of the woman crushed the head Même of the serpent. Même s'il bouge. Even if he moves, mais le venin il le donne par la tête. But his venom can be given by his le hand. Seigneur n'a pas écrasé la queue, mais la tête. Lord, amen. The tail, but the head. Le diable n'a rien en nous. And the devil has nothing in us. Christ l'a déjà vaincu. Our Christ has overcome him. Toute autorité, toute domination. All authority and dominion. Toutes ces mauvaises influences. All those bad influences. Qui viennent sur les hommes. Who come on par des mauvais esprits. Or through bad spirits. Le Seigneur a déjà triomphé de tout. The Lord has triumphed over all. Nous sommes un peuple libre. Amen. We are free. L'évangile libère. The gospel set free. Nous ne sommes plus esclaves. We are no longer slaves. Christ est mort. Christ died. À cause de nos offenses. Because of our sins. Et il est ressuscité. And he rose. Il a vaincu la mort. He overcame death. Pour que nous, so that we, nous ne craignions plus la mort. We cannot fear death anymore. Quand craint encore la mort. Whoever fear death. Ils vivent dans la servitude. They live in slavery. C'est que tu ne sais pas qui tu es. Which means you do not know who you Nous are. Nous sommes devenus frères de Jésus. We have become Jesus' brothers. Amen. Comme il a vécu, as he lived, c'est comme ça que nous vivons. Amen. That's the way we live. Amen. Il a dit, he said, pas ma volonté, not mais ta my volonté. Will, but your will. Nous aussi c'est pareil. It is the same way with us. Plus ce que je veux, Seigneur. Not what Amen. I want, mais que ta volonté soit. But let your will be done. Dans toute ma vie, in all my life. Et nous combattons le combat de la foi. And we are fighting, we are contending. Et lui, il est vivant, il peut venir en aide, nous secourir. He is able to come and help. Là où nous sommes incapables, lui, where we are unable, he comes and help us. C'est pourquoi il a dit, venez. That's why he said, come. Prenez mon joug. Take my yoke. Il s'agit de marcher avec lui. It's about walking with him. De vivre avec lui. To live with him. Qu'il soit en toi. He, so that he may be in you. Qu'il t'entoure. And he can surround de toutes parts. From all sides. Que tu te sentes. So that you can feel, entre les mains du Seigneur. You feel yourself in the hands of les vrais rachetés savent. A true redeemed knows que le monde n'a rien à voir avec. The world has nothing to do with. Et Jésus a dit, Père, ils ne sont pas du monde comme je suis pas du monde. Jesus said, Father, they are not of the world as I am not of the world. Que cherches-tu, mon frère? What are you trying? What are you seeking? Le Seigneur revient bientôt. The Lord is coming soon. Tous les signes s'accomplissent. All the signs are being fulfilled. Et il a dit, quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver. He says, when you see these things starting to happen, lift up your head because your deliverance is coming near. People are saying, deliver from what? From America? I need to work in America. I need to make my future here. La fin de cette civilisation est bientôt là. The end of this civilization is at hand.
Il y a la vraie gloire. There is the true glory. C'est celle que le Seigneur te propose. It's what the Lord is proposing. Il a conçu son plan. He had his plan. C'est lui le créateur. He is the creator. Il t'a racheté. And he redeemed you. Cela a été chanté. We sang la gloire. The glory que nous promet Jésus. That Jesus promised il fallait qu'il souffre. He had to suffer. Il a tout vaincu, il est ressuscité. He overcame everything and le chemin de la gloire est ouvert. And the way to glory is open. Assurément nous verrons Jésus. Amen. Que le vrai croyant dit. Let the true believer say. J'ai reçu une vivante espérance. I have a new hope. J'ai un vrai avenir. I have a true future. Même si je suis pauvre. Even if I am poor. Ça ne m'a pas réussi en Afrique, ça ne me réussit pas en Amérique. Mais avec lui, je sais. It's not working in Africa. It's not working in the US. Que Dieu vous bénisse. But with the Lord. Veuillez vous lever et regardons ensemble la Golgotha. Stand up and look to Golgotha. Chantons tel que je suis. Let's sing as I am. Without nothing in me. Et nous appelons notre frère Olivier. And we call our brother Olivier. Pour nous conduire dans la prière.